Ami, le citoyen et la cité, donc c'est avec un peu de plaisir que aujourd'hui nous retrouvons une fois de plus, toujours dans le cadre de promotion pour la culture, promotion pour l'éducation et formation citoyenne. Et pour nous capables de partager avec vous un entretien avec une personnalité qui passait de présentation, ancien magistrat communal, ancien directeur départemental, ancien directeur lycée et professeur de carrière qui s'y mettait. Adrien Constaël, donc je dis nous allons discuter, nous allons parler d'éducation, de formation, monde et importance éducation gain pour monde. Maître, comment nous est? Eh bien, voilà, c'est ça. N'a regardé. C'est ça, on a regardé. N'a goûté. Maître, et nous capable dire que c'est un plaisir pour le citoyen de la cité recevoir aujourd'hui parce que son privilège pour nos jeunes pour nous parler avec vous. Parce que c'est pas facile pour nos jeunes monde qui dans la zone et qui gagnent une carrière et qui ont façon que de comprendre la réalité hein, et que je dis hein, qui a vivre dans notre réalité donc c'est un plaisir pour nous recevoir et bien j'en ai dit là c'est que son entretien qui a porté sur question éducation formation monde et puisque aussi professeur de carrière aussi ancien et magistrat aussi ancien directeur départemental. C'est ça, on connaît. Est-ce que au cas font-ils parler nous de où plus quelques expériences et en même temps tout et comment comprendre la société aujourd'hui et question d'éducation à l'école? Bon, pour ma part, j'estime que l'éducation, j'en ai longtemps, et la comparer à ça qu'il y a aujourd'hui, c'est deux bagages différents. L'éducation, longtemps, c'était une éducation élitiste. Seuls les plus intelligents, seuls les gens qui ont des parents possédant certains moyens, étaient capables de suivre l'étude jusqu'à la fin. Mais en même temps, l'école d'autrefois, l'été, une sorte d'handicap pour en pile, timon. Sinon, ça, je dis à nous avons bien plus monde toujours qui connaît lire, qui connaît écrire dans le pays. Et cet handicap majeur, c'est la langue de l'enseignement. La langue de l'enseignement qui se faisait en français. Et très peu d'enfants arrivaient à maîtriser français à vrai. Sinon, capable de parler, de maîtriser. Parce que là même, tout le monde a récité les leçons sans français, bagaille, ben, son exercice de mémoire. Mais il pas tellement comprendre grand-chose dans sa langue. Et c'est nous aller par-delà l'école, non capable de parler de religion. La religion, côté mon, il y a l'église, c'est vrai, il dit que c'est chrétien, bon, est-ce que tu comprends grand-chose? D'abord, il ne va pas même comprendre. Il ne va pas même comprendre ça veut dire chrétien. Et parce que tout était en français, et dans la religion catholique même, tout était français et latin. Donc, on finit tomber dans une sorte d'ambiguïté. Et un bon exemple. On prend par exemple, il y a un monde qui ne peut pas lire, qui ne peut pas écrire. Living Goto, Lido, ah, mon cher, on l'aide pour moi, non? L'autre demande qui ça, qui ça, qui sujet, qui sujet, qui objet l'aide là? Esprit collé.
auquel vous même vous rédigez à partir de lorsqu'il rédige le volet, il demande pour l'île. Pour l'île. Pour l'île. L'op l'ilette là, et pour le monde cap secrétaire li en signe d'approbation, mm-hmm. comme s'il comprend un bagage vrai. Donc, ça serait du bluff. Ok. Et heureusement, depuis la réforme, surtout si nous prenons les dans période comprise entre 86 et nos jours, avec le Femme Bernard, eh bien, créole la vigne un droit de cité au point que la Constitution reconnaît les comme langue officielle. Personnellement, au début, j'ai mal compris le créole. J'ai mal compris le dans la mesure où moi-même, c'est effort personnellement me fait pour me capable de lire créole, pour me capable d'écrire créole, parce que. Va te former en créole. Eh bien, avec expérience, bien fait, avec. Comment dirais-je, une certaine logique, réellement, si créole, là, c'était langue d'enseignement, qui te permettre, Timono, depuis longtemps, apprendre lire en créole, apprendre écrit en créole, même si plus tard, tu avais initié en français, eh bien, je dis à grand-pile, pile peut-être problème n'a pas d'accord. OK. Donc c'est dire maintenant si m'a bien compris logiquement, donc c'est dire que aux difficultés que nous avons rencontrées aujourd'hui ensemble de problèmes que nous rencontrons, c'est par rapport avec mode éducation formation qui bailant et dans langue qui bailant qui fait que l'école là en quelque sorte raté vocation dans former citoyens et pour une communauté prospère. On apprend que dans sa langue maternelle, ça, le c'est... français est une langue étrangère, point barre. Ok, parfait. Bien, maintenant, on a dit que, ou l'ajout, c'est que on connaît plusieurs moments dans le pays d'Haïti, dans l'histoire, nous. Et c'est comme un monde qui est formé dans le système, non? Et surtout avec les frères de l'institution chrétienne. Donc, vous gagnez une série de compréhensions et par rapport à votre poste que vous êtes occupé dans le temps, capable de permettre que vous plus en mesure pour faire une analyse du temps d'antan et aujourd'hui. Et donc, c'est bon secret pour personne monde, côté que aujourd'hui, dans sa navire là, majorité monde commence des dégoûts par rapport avec Haïti. D'après vous-même, mettre conseil, dégoût ça, côté, comment, quand on est capable de sortir même, comme si on a dit son haine du pays, en plus le monde gagne ça, je ne veux dire. Eh bien bon, à mon avis, les hommes d'État, les responsables du pays, il n'y a pas de jambes penchées sur le problème du peuple haïtien. Quelques personnages qui dérivaient émerger dans le système là. Ce sont presque tous des gens de la ville. Des gens de la ville, quant à ceux de la campagne, quant aux enfants de la campagne, ils ont été négligés. Et quant aux citoyens de la campagne, si même nous sommes capables de parler des citoyens, okay.
Quant aux citoyens de la campagne, eh bien, mon sayo, eh bien, elle a bien dit, mon en dehors. Ok. Mon en dehors. Et, l'obgade certains actes de naissance, ou d'un, les actes de naissance, okay. d'autres fois. Dans la rédaction de ces actes, on faisait la distinction paysan. Entre paysans et citadins. Ce qui n'est pas logique dans un pays souverain, dans un pays où l'on prône l'égalité, cela ne devrait pas suffire. Heureusement, il y a retiré à ces paysans citadins. Quoi, c'est avec Aristide que tu es venu retirer ça? Je pense. Bon, on pense que, avec cette affaire de Nègreville, Nègremonde, avec cette affaire, si on appelle plus loin, Nègre-Rouge, Nègre-Moine, etc., Nègre parle français, Nègre parle créole. Bon, moun nou vin kreye, yo te vin kreye, yon séparation. On dirait deux peuples qui vivent dans le même espace. Dans le même espace. Et, bah, qu'elle a tellement, bah, elle a été tellement drôle. Où qu'on est arrivé, surtout à Port-au-Prince, même ici à Petit-Gouave, il y a certaines maisons, là, ici à Petit-Gouave. À Port-au-Prince, n'en parlons pas. Si vous pénétrez, vous entrez là, ou pas qu'on parle français, vous ne pouvez même entendre vous-même. Certains magasins, vous allez, vous pouvez l'acheter là-dedans, si vous n'avez pas la bouche, le français, eh bien, c'est là où finit sa vie, notre monde. Okay. La vie occupée de vous-même, et puis, avec un certain dédain, avec un certain mépris. Okay. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout bagaille, ça, représente autant de facteurs qui fait papa ici, il n'y a pas ça. Et nous venons à l'état ça, surtout parce que le problème non, il y allait en s'accentuant. Pour gagner, par exemple, mon nom est. Yo, on me guette un peu du fil. Ok. Exactement. Mouno, yo venu yon moment, y a pas de tête. Moun en deux, yo surtout y a pas de tête. Mais, qui ça nous y là? Est-ce que nous sommes mouno? Mais ça, lui, c'est comme d'une imprégné peuple haïtien, là, et dans tous les secteurs, dans tous les secteurs de la vie nationale, ou gagner, ils ont parti dans le peuple là, que du fait que ils ont considéré comme inférieur, ils ont même considéré, ils ont fait inférieur eux-mêmes, et ils ont fait tête sur inférieur. D'accord, il est inférieur. Ouais. C'est un problème. Domesticité. Ok. Domesticité, hein. Fact et formel, ce sont des petits paysans. Des paysans. Parents, ils remettent. Ou patron la vie. Et là, ils comprenaient le plus souvent, le paysan mettait le gars patron la ville là, ils pensaient que son timon, ils pouvaient le traiter le bien, ils pouvaient le mettre l'école,
Parce que déjà bien, le paysan a gardé nèg la ville là. Les mêmes, puisque les ratés chance pas là. Il a des petites balles tout. Semblait à nèg la ville là. Semblait à nèg la ville là. Et puisque il pas cap vin, il pas cap vin la ville là, les mêmes il va gagner moi pour le côté la ville. Il remet Timon ça en domesticité. Kayon moun. Et comme s'il l'a dit, le bâti moun sa yon chance. Yeah. Soit marraine, soit parent, soit on l'autre parent, etc. Et puis en réalité, ti moun, au lieu de venir pour aller quand le vrai, pour le vrai, c'est tourner, on t'y esclave. Okay. On t'y esclave. Et. Problème. Même à l'école. On retourne sur faire l'école là. Avec langue française, ça. Vous jouez les plus doués. Ceux qui avaient la mémoire très fidèle. Et qu'on appelle intelligent. Et pourtant. Eh bien, au jeune Timon, ça, puisque c'est par cœur que l'on étudie, eh bien, au jeune Timon, ça, passer classe, passer étape, passer. Au point de compréhension vraie, on ne comprend rien. Kaonabo fait mise en prison. Isabella, etc. Donc, c'est des bagages, il ne pas comprendre. Il ne pas comprendre, tandis que si c'est en créole, il était balibé là, il ne pas comprendre bien. Donc, Timouno, disons même Timouno, il mettait le nom situation où il a posé quelques questions. Est-ce que petite intel, petite net intel, petite note intel, petite apprenti intel, est-ce que c'est même Timon? Donc un complexe d'infériorité. Donc nous avons créé un complexe d'infériorité là carrément, qui saute la ville là, chez les classes défavorisées. Jusqu'à la campagne. Okay. Donc, ensemble de complexes qui créent hein, par rapport avec ce dit, même si avec question l'école, question nègre noir, nègre rouge, question français créole. Donc, vous pensez que c'est lui-même qui est à la base de tout problème que je n'ai aujourd'hui? Oui, chaque école là, réside en pile là-dedans. Bien. Et je vais te dire quelque chose. Tigouave, c'est une la principale ville pays. Et à un certain moment, la réputation de Petit-Gouave sur le plan national, en raison de la prospérité qui y régnait, eh bien, t'as fait que Tigouave t'a gagné l'école secondaire. Et pourtant, tout le 19e siècle est passé, Tigouave n'avait pas d'école secondaire. Okay. Et cela jusqu'à la mi-siècle. Ni 20e siècle. Presque. Parce que le lycée, on a attendu jusqu'en 1946 pour doter Petit-Gouave d'un lycée. 1946. Il y avait un pile bataille. Un pile bataille. Ma peste, c'est une bataille. Une petite anecdote. Vincent. Président Vincent,
Monsieur était en visite à Tigouave, je crois, à l'occasion de la 15 août. Vincent était tellement bien reçu, tellement bien accueilli par la population. Monsieur a cherché dans la tête, lui, qu'il fallait faire pour faire que la population s'arrête. En récompense avec l'accueil que le reçoit. Le monsieur a retourné dans la capitale. Le préfet d'alors, qui était à le conduire, monsieur, mettait le tapion. Préfet après le montrer, jusqu'où allait la méchanceté des hommes d'élite. Vincent penchait nos oreilles. Au compte, ça me va le faire pour la population. Ça. M'a mal au lycée. Et le préfet de lui dire, ah non, vous n'en faites pas président. Vous n'en faites pas président. Petit gouverne n'a pas besoin de lui, c'est une population rurale. Vous voyez? Donc, pourquoi? Parce que, ils pouvaient envoyer leurs enfants étudier à Port-au-Prince, à Saint-Martial, à Saint-Louis-de-Gonzague, chez les sœurs de la sagesse, etc. Et bien là-dedans eux-mêmes, qui étaient allés directement en France à l'étudier. Parce que t'es bien comme la ville, à l'époque. T'es bien comme Negro. T'as bambi Léo là, hein, dans question de commerce café là, hein. Soit dit en passant, au compte de Tigouave, à un certain moment, c'était la capitale du café. Ouais. Donc, t'es qu'un cob, hein, et des mecs qui te confèrent du vin à boire, sont directement en France, à Bordeaux, et le port était ouvert, au commerce. Donc, il y avait de la vie. Mais, de la vie. Tout ça reposait sur la division. Division, nègre en haut, nègre en bas, nègre noir, nègre goulet. Donc, et analyse qu'on fait là, surtout par rapport avec l'avènement lycée dans Tigouave, là, côté que même préfet, n'a pas besoin parce que Tigouave sont zone rurale. Est-ce que d'après vous-même, nous capables d'essayer de comparer la réalité ça avec la réalité que nous avons. Si nous apprenons pour m'avancer, je dis que nous sommes capables de dire que l'école en Haïti est pratiquement crasée. Pratiquement crasée, pour ça, parce que nous avons l'impression que la formation n'est pas intéressée à la question de l'école. Et l'État surtout n'est pas accordé trop d'importance avec ça. Nous avons regardé la façon que. Et, l'État de comprendre la question de l'éducation, comprendre la question de l'école, et que vous gardez ces familles haïtiennes quelque part qui ont fait effort pour vous voir si vous êtes capable de vous étudier l'école, donc vous n'êtes pas trop intéressé l'État. Est-ce que nous sommes capables de comprendre? C'est parce que les gens qui occupent l'espace de l'État ont des possibilités pour vous étudier au Canada, pour vous étudier la France. Comme si c'est, est-ce que c'est, nous sommes capables de voir comme même réalité ça? Vous êtes capable de vous étudier au Port-au-Prince, vous n'avez pas de nécessité pour vous étudier. Eh bien, comme vous même avez des possibilités pour vous étudier à la formation Canada, États-Unis, l'autre côté, donc vous n'êtes pas intéressé avec l'éducation en Haïti. Est-ce que vous êtes capable de comprendre comme ça? Moi-même, je pense que j'en ai des choses là. Semaine ça, dans l'époque ça, les pas de même gens. C'est tant que
pour venir dans le lycée là, qui a formé tout le monde. De plus en plus, mon note est intéressé. Les petits tours d'école. Les petits tours d'école. Bien que, davantage. Bien que lycée à l'époque, pas accessible à tout le monde en raison de la quantité et de capacité d'accueil. Mais quand même, ouais, mon note est intéressé. Et qu'on y a, ouais, chose contraire, c'est que c'est mon qui page même place dans le lycée, parce que c'est à trois petits. C'est bon ça, puisque on va quand jouer une place pour petit jour, c'est bon ça. Naturellement, t'as bien quelques snobs, quelques des gens prétentieux, bagages ça, qui étaient capables de quitter tout le monde là, mais qui étaient faits pour là. Pour toujours garder la différence. Mais quand même, Bagalot est venu changer. Et Bagalot est venu changer à un point tel que, à côté du lycée, où vient joindre d'autres écoles secondaires qui nous vivent pas plus. Le collège privé. Comme collège de Petit-Gouave. Comme collège de Petit-Gouave, collège Notre-Dame, etc. Donc, mon nom vient intéressé. Parce que je ne finis pas comprendre. En plus, je ne finis pas comprendre que pour faire un nom pour chaque en tant que parent, et pour petit être capable de faire un nom tout, il faut le mettre à l'école. Donc, bagaille l'hôtel qui était commencé à l'étrier. Hélas, 86 86, mouvement 86 là, qui était charrié en pile espoir. En pile espoir, tout le monde se disait, bon, la chose va changer, il y aura moins de corruption dans le pays. Et puis, tout le monde pourra faire de la politique, pour vivre, qu'il remplisse certaines conditions. Malheureusement, non, ouais, que, bah, elle a gâté et qu'on y a eu gâté net. Il a gâté net. Parce que, il y a des vérités. Il y a des vérités, il faut obligé de dire. Oui, bah oui. Nécessaire. À partir de 86, on a une série de monde. Pourvu que le terme n'a pas calé à réussir, je pensais que nous sommes capables de destiner l'école là. Ça veut dire que tout est intellectuel. Tout est intellectuel. Il fallait que mon saillot, dans les lycées, dans les collèges, d'abord, l'homme me dit là, me dit sur le plan général. Oui. Dans les lycées, dans les collèges, comme professeur, ben, ça, et ceci, cela. Eh ben, l'œil est venu, il est là, il est lui-même tout, avec toute lacune que tu gagnes dans l'école. Voilà, ils m'ont fait performer tout le monde. Donc, ça veut dire que les lacunes ne font qu'on se multiplie. Justement. Donc, c'est-à-dire que au bail s'organise. Mais ce qui est pire, c'est que politique a vu entrer dans l'école. Politique a entré dans l'école, là, c'est pas pour ranger l'école là, pour organiser l'école là, non. C'est pour utiliser l'école là avec des fins politiques. Politique. Ok. Donc, qu'on y a, j'aime ça d'où là, n'importe qui se croit apte à enseigner dans le lycée. Et forme d'où, ce n'est pas que avant, professeurs
te gen nan lise a yo, nan kolej la yo, lè pa, sa pa kre, se te de zon ekstraordinèr. Men moun sa yo te talman se bon etude secondaire. Ok. A zan mou ka. Ok, voilà. A mou ka yo te talman bien se etude secondaire yo, diplôme baccalauréat yo te valable. Ok. E de bon. A partir de 86, nous venons d'une sorte de clientélisme. Ok. Clientélisme politique. Mm-hmm. Monsieur le député recommande son homme. Ok. Monsieur le maire recommande son homme. Parce que moi-même, directeur d'ici, je me suis dit avec autorité dans la ville. Ok, ok, ok. Non, par exemple, sous moi-même, il y a certains élèves fraîchement revenus du baccalauréat. Que nous avons reçu au lycée un titre de professeur titulaire. Okay. Pourquoi? Parce que c'était des éléments d'élite que j'avais connus sur les bancs de l'école. Okay. Des hommes en somme, tels les barrets, les ratons. Okay. C'était des gens vraiment formés. Formés, bien formés. Capable. Des élèves, moi-même, oui, venant toi, c'est une grande aller chez mon chita. Il me dit, Ritraton. Alors, on sait bien sinon, Voka. Bibi, tu vas faire le coup pour moi aujourd'hui. Okay. Et puis, chita sous chaise, moi, texte sous tableau, et puis, avec ce qu'on explique. Côté le fontifal. C'est une belle bagaille. Mais est-ce que qu'on y a pas capable de faire ça? Non, mais écoutez, bon bagaille qui arrive, c'est que c'est vrai que je n'ai pas dit l'école est capable plus moderniser. Il y a plus moyens pour tout le monde est capable d'apprendre. Mais rigueur yo, moins par rapport avec avant. Il n'y a plus de rigueur. Oh, oui, bien sûr. Qui est-ce que se permettrait de manquer d'égard à un directeur de lycée, à un directeur de collège? D'ailleurs, l'élève, pas des Français, l'élève qui t'a oublié comprendre qui a probablement qu'on professeur dégarni, tel il s'est dégarni en sens. La télé avait un envoyé immédiatement. Et puis, il va calmer l'autre école. Pour se faire balfer, il faut y aller le ministère. Donc, cet élève ne s'est reçu nulle part. Voilà. Nulle part. Et on ne peut pas comme ça. Bon. Voilà. Bon, oui, et ça qui, c'est, donc, pendant qu'on parle là, il y a un bail qui est intéressé dans l'école aujourd'hui. L'école aujourd'hui, on est capable de prendre par rapport avec la réforme de Maniga, il fait dans l'école, c'est que, il retire la sixième année, et que, il retire le retour, et que, il quitte, que, il gagne neuvième, et puis, il gagne S4, dans sa mêlée, le nouveau secondaire. Là. Je m'en rappelle, lorsque je me le certificat, c'est. Un certificat, on parle? Justement, c'était tout un privilège pour préparer le certificat, c'est de préparer bien tout parce qu'on va passer l'examen national. Donc, il n'y a pas à prendre que c'est le premier moment que l'État va reconnaître l'école. Pour qui ça? Parce que vous faites toute classe, on a dit premier et cycle, deuxième cycle, ou gagnez une reconnaissance académique que dans l'école qu'on y est. Inspection scolaire quelque part avec des inspecteurs convenus, mais ou pourquoi passer un examen l'État qui vous dit que, mais qui sont gagnés comme compétences. Et dans le temps, on peut être gobaillé les brevets sous temps fort. Donc, c'est-à-dire, on peut passer les brevets, c'est si le lait a fait ses modèles, il est capable de faire une profession, etc. Là, c'est l'autre bagage. Mais avec question certificat qui vient retirer, hein, on vient voir que vous laissez aller. L'école n'a pas vu une mission pour former citoyens. L'école vient considérer comme yon marché côté que moun nan l'intéressé la avec l'argent seulement. Est-ce que quelque part nous pas capable comprendre que réforme ça
Livine est capable de dire Livine plus fragilisé question construction citoyenne par rapport avec le temps. Parce que je ne veux dire, et même parents ils rentrent dans une dynamique là, c'est une année, une classe. Si maintenant il n'est pas tenu compte de qualité formation qu'il apprend, pourvu qu'il est passé dans la classe, s'il n'est pas passé là, il va mettre dans l'autre école parce que bon, l'autre monde apprend. Mais est-ce que longtemps tu as ça? Non. Pas de calme, je ne m'en réagis pas longtemps. C'est après. Élève la vie, élève la. Bon, son nouvel élève qui vivait dans l'école là. Ouais. Première interrogation pour mon gars, voilà. Première question, mon gars, posée quand on était à l'école. Et puis deuxième, quand on est scolaire, quand on est dernière classe, faut chanter. On va passer le coup. Hein? Allez plus fort. Soit retiré, pardon, soit retourner quand on était là, soit bon, si on vient de lui faire classe là. Mais monter en classe supérieure, on pas capable. Donc, ça, une rigueur bénéfique. Et réforme belle. Je doute fort que la réforme Bernard ait prévu cette affaire d'examen, examen 9e année, examen baccalauréat unique. Je doute fort. Parce que moi-même, partager le fait que ouais, partager les dessins qui fait que yo pas bay élève là trop examen pour moi-même. Pour moi-même élève là tu es capable de prévoir un examen officiel pour les deux premiers cycles. C'est le certificat. Qui sanctionnait Timon, dit est-ce que il a capacité pour aller dans niveau supérieur. Relais l'autre étape là. L'école fondamentale toujours, pas de problème. Prévoit un examen pour 9e année fondamentale. Et puis, après ça, pour l'école secondaire, puisque c'est 4 ans seulement, il était capable de prévoir un examen baccalauréat unique. Mais, j'ai ma parole là et là, comme il y a. À cause de réalité brutale n'a vive là, réalité sociopolitique économique, doute fort, bon pas de doute, l'école n'a pas même genre encore. Oui, ça c'est clair. Et il y en a pas qui veut, c'est que toutefois, il y a des moyens qui mettaient en place pour tout le monde dans ta vie. Mais c'est exécution. Les moyens, théoriquement, moyens là, pour tout le monde ta apprendre et pour ta mieux apprendre hein, que les gens d'autrefois. Mais, tout est sur papier. Et puis, réalité brutale, ça nous a parlé là. L'entrée en ligne de compte, l'école a fermé, Timon non dans la rue, Timon n'a pas jamais sûr que la passe en année scolaire vraie. Donc, on prend année ça. Qui mieux par rapport à la précédente là? Mais, regardez. Programme, elle n'a pas votre programme. Non, mais c'est pas elle. C'est son réalité que moi je vis, parce que moi je fais certificat en 2001. Et gagné un mouvement, et Brignol Lindor mouri, t'es toujours une manifestation dans la ville. Et tout était comme un rendez-vous. Chaque laisse arriver, et puis mouvement Aristide. Fait que depuis là, beaucoup de gens m'ont fait jouer une année académique complète. Mais ça ne veut pas dire pour autant. C'est que nous pas essayer de faire en sorte que nous avancions sur le programme, puisque quelquefois nous avons un engouement ça pour nous apprendre, pour nous travailler. Vous êtes dans le lycée? Oui, dans le lycée, au CSOLO. Et de 7e à la philo.
Ben, et ça qui arrivait, c'est que, aujourd'hui, hein, ou j'ai même l'impression, c'est que même lorsque réalité, hein, il a empêché l'école de fonctionner, mais même l'État a tout, bon laisser aller. Ma, pour exemple, qui c'est ça que fait, bon, petite expression, bon, façon de comprendre le ministère de l'Éducation nationale, pas welcome ministère de l'Éducation nationale, mais welcome ministère de l'Examen national. Parce que c'est qui ça qui arrivait, c'est que, ou j'ai l'impression que ministère-là l'y intéressé avec seulement examen officiel. C'est 9e et S4, c'est le bac unique. Là. Mais pour classe intermédiaire, ça n'a pas trop intéressé. Pourquoi ça me dit ça? C'est que dans l'année académique qui a passé, il y a un grand professeur, l'école n'a pas fonctionné, mais ouais que le ministère a gagné un moment pour faire rattrapage. Mais rattrapage, c'est petit monde qui dans 9e, dans philo. Donc, petit monde qui est dans la classe intermédiaire, par exemple, et qui est dans première année fondamentale jusqu'à 6e année, ça n'a pas intéressé. De 7e pour arriver 8e, il Neuvième. n'est pas intéressé. De S1 pour arriver dans S3, moun sa ou pas intéressé. Donc, qu'on y a là, est-ce que nous sommes capables bon élève de qualité lorsque il y a seulement classe examen yo qui intéresse l'État pour venir l'école? C'est triste à dire. C'est triste à dire. Pour moi, actuellement, je suis capable de dire que l'école haïtienne n'existe pas. Nous. Ah, ça intéressant. Ah, elle existe. Ok. Comme je dis là. Pourquoi problème? Les écoles privées qui en face L'école d'État. l'école d'État. L'école privée, hein, l'a fait tout effort parce que l'a fait tout effort. Alors, ça n'est le ça n'est ça n'est fort. Oui. Ne serait-ce que relativement à régularité élève, non? Il a fait effort régularité élève et régularité professeur. OK. Parce que il y a un cob là. Oui, justement. Un cob. L'école l'État. Ah, mon cher, ça. C'est un véritable vache à lait. OK. Regarde. Professeur vini l'œil hôpital. Ti moun nou joine très peu de services. Si bien que là, mon fait constatation, là, lycée, tout un ti moun nou dans la rue. Soit y a fait manifestation, soit de yo même yo décide pour entrer la caillou. Parce que professeur, tel professeur pas venu faire cours. Et il y a des professeurs qui passent toute année à yo pas venu faire cours. Ils sont contents seulement là, ils connaissent une date d'examen après arriver, la veille d'examen, ils arrêtent, ils font cours. Et puis c'est sous cours à examen après arriver. Dire c'est année comme si vous gagnez le résumé avec une séance ou bien deux séances. Donc, ces gens-là, je les appelle des mercenaires de l'éducation. Mais alors, ça qui est énervant là, c'est que même mon saïo qui a fait travail ça. Même absenté saïo, quant à ce qui a fait travail non, lycée, c'est même mon saïo qui peut faire couillot régulièrement dans l'école privée. Dans l'école privée, Comment vous comprenez ça? ouais. Et il faut rendre hommage. Mais si hommage là bien mérité, nous, élèves lycéens, au cap subi tout ça. Si je prends le niveau de petit gouave allemand, les premiers élèves ont réussi au baccalauréat, c'est eux-mêmes. Ah oui, ça c'est clair. Et cela s'explique
ti moun sa yo apprendre faire effort autodidacte. Autodidacte. Voilà. Ou apwe yo la yo a dégager yo la yo ka fait groupe de travail c'est selon bon. Hein. Pas là au collège. Bien, et Metcons et qu'on est entretien, faut nous commencer, faut que nous finissions. Il y a une dernière question que m'a posé Metcons. Dernière question, c'est par rapport avec l'objectif de l'école. Puisque et la démission relève le citoyen et la cité, donc c'est ça, c'est promotion pour éducation à la citoyenneté, pour une cité responsable et prospère. Mais normalement, nous entretien la fait sur question de l'école. Efficacité, les problèmes que nous avons toujours, mais il faut que nous pas d'accord tout. L'école a une bonne mission. Mission 1, c'est former citoyens. Et dernière question, c'est comment vous êtes capable de repenser l'école, je vous dis tout à l'heure, par exemple, l'école haïtienne, comment vous êtes capable de repenser l'école pour au moins être capable de former des citoyens haïtiens. Comment ça possible? Comment vous êtes expérimenté? Donc, je ne vais pas parler de la théorie, je ne vais pas répondre théoriquement, je vais parler ça moi-même, je comprends. L'école a pour mission de former les citoyens de demain. Voilà. Et citoyen, c'est l'habitant, c'est celui qui habite une ville, une région, un pays ou un État. Ça veut dire que citoyen lui-même, les fait pour comprendre, pour ouvrir les yeux, pardon, élève là, pour ouvrir les yeux, élève là, de telle, sur toute réalité, ça, au map de réalité, hein, cité, ville, un pays, ouvrir les yeux sur tout bagaille ça yo. Ouvrir les yeux sur culture en général, sur façon nous habiller, nous autres, qui fait que c'est haïtien nous y est, c'est pas dominicain. Façon nous manger, qui fait que c'est pas américain ni canadien nous y est, ni français. Façon nous concevoir la vie en général. Croyance non yo, et bon, en fait, production non yo, pensez que yo mérité ouvrir les yeux timoun yo sous bagay sa yo, de telle sorte que yo vin de vrais citoyens, des citoyens qui connaissent que la ville de Ptigwa doit être propre. Yo pas kap jete fatra la dan, hein. Jean Moyap fait là. La ville de Ptigwa doit être propre. Yo pas capable de quitter zonimbo, bête à marcher son monde là, oui, sous place publique. Et, ville là, une série de bagailles qui méritent respecter. Une série de constructions, une série de bâtiments, une série de monuments qui méritent respecter. Tel que la place publique doit être respectée. Et le lycée Faustin-Soudouk, Jean-Noël Lag, un bâtiment public comme ça, il doit respecter, il faut entretenir les églises. Il faut les respecter. Donc, moi-même, je pense que chaque fois que la population a maintenant tête, pour dire, bon, voilà. Il faut faire, il faut construire la réputation de petit joueur. Non. Façon de comporter vis-à-vis de la bagaille, bon, à propos, il n'y a pas de monument public, non? Vous avez la place Soudouk. Presque abandonné. Vous avez le Fort Royal. En ruine. Vous avez le Fort Liberté. Fort Liberté, ça, là, c'est un fort qui représente un pire de bataille de Ptigwa. Ils n'ont pas comme ça, parce qu'ils n'ont pas jamais enseigné ça. Mais tu sais que c'est la première place du pays.
ou le fameux Rochambeau a connu l'échec. Premier endroit. Ouvrir, faire le bon citoyen, effectivement, on avait un bon citoyen. Et l'on apprend pour un bon citoyen, lorsqu'on est de droit ou qu'on est de voir vis-à-vis de la cité, qu'on est capable de venir un bon patriote. Voilà. Parce qu'il y a la petite patrie, il y a la grande patrie. Si vous ne vous souciez pas de la petite patrie, la plus forte raison. Et c'est pourquoi moi-même pensez avec mon auteur que le service est plus important que le patriotisme. Parce que civisme, c'est tous les jours où pratiquer civisme. Vous savez, on ne peut pas qu'une moi je suis gratte, la guette pour dans la vie. Je ne suis pas un droit pour me prendre pile fatra, je ne suis pas capable de me faire un chien mourir ou un chat mourir si ça le fait, un rat mourir pour me faire un rigole. Parce que j'ai des devoirs envers la cité. Mais patriotisme lui-même, son bagage exceptionnel. C'est dans les grands moments qu'on se montre patriote. Mais le service, c'est de tous les jours. D'accord. Merci, M. Constaël, parce que tu es répondu avec l'invitation. Non? Donc, entretien est vraiment enrichissant. Et il y a une chose que je dis là qui est fondamentale, c'est que le civisme, en quelque sorte, est plus grand que le patriotisme. Dépôt qu'on devoir en tant que citoyen par rapport à l'endroit où vous trouvez. Ou capable de grand patriote. D'accord. Merci. Et le citoyen et la cité remercient. Et moi, souhaiter que c'est la première fois et à la prochaine fois, parce que le dialogue avec l'ancien, c'est toujours intéressant, capable de permettre de comprendre réellement comment ça se fait et comment on est capable d'organiser nous et partager pour nous être capable de penser une nouvelle Haïti, parce que nous voulons que nous ne voulons pas Haïti pas capable. Bon, moi-même, tout mon monsieur, de ce que tu pensais à moi-même, c'est encouragement pour bon moment là, ou faire me sentir là toujours. Ouais, donc, merci beaucoup de ce que vous faites me sentir moi là toujours. D'accord. Et moi disponible pour moi-même à n'importe quel moment. D'accord, merci. Ok. Ah.